Bonjour et bienvenue, on est de retour dans notre petit jeu avec notre créature. On se balade dans le monde. J'adore ce jeu, honnêtement j'adore ce jeu. Alors, épisode des... résumé du dernier épisode, on a perdu une personne. On a fini par le bouffer parce qu'on était trop dans le désert et tout ça, et voilà, on avait faim. On est en train de revenir un peu sur nos réserves et tout, donc ça c'est cool. On a fait une nouvelle ferme. On va pouvoir planter des betteraves et tout, c'est bien. On va pouvoir les transformer aussi, les betteraves. On va faire des soupes de betteraves. Je crois que le maïs aussi est pas mal. Je crois que le maïs est mieux que les betteraves. Je crois que le maïs est plus flexible, en fait. Alors, pour faire pousser le maïs, autre ferme. Maïs est très résistant à la chaleur. Il nécessite peu d'eau, mais pousse lentement. Ok, ça c'est quoi? Apprenez à faire pousser les tomates dans votre ferme. Elles résistent à la chaleur en poussant rapidement, mais nécessite beaucoup d'eau. Ah, ça c'est beaucoup d'eau, ça peut être dangereux. Mais bon, faut mieux gérer notre eau. C'est vrai que notre eau, on la gère. Pas parfaitement bien. Alors ça c'est plein, il faudrait remplir ces réserves là. Ça me rend fou que ces réserves elles restent pleines comme ça. En tout cas, on continue. Il faut qu'on augmente nos réserves de pierre et de bois aussi. Nos moulins fonctionnent très bien. On a notre lance-flamme qui s'amuse. Très bien. Oh, oh, oh. C'est vrai qu'il y a ça aussi de ce côté-là. Ah, c'est quoi ça? Vandalisme. En arrivant au sanctuaire, vos pierres rencontrent un autre groupe de personnes. Les autres sont fatigués de vénérer un vieux... et monde mort, et ils veulent détruire le sanctuaire. Alors, donnons-leur quelque chose pour montrer que nous sommes non seulement amicaux, mais utilisant les connaissances de certains vagues. Ah oui, 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 oui. Plus 5, c'est très bien. Plus 5, c'est très bien. Ouais, plus 5 connaissances, c'est très bien, on en avait besoin. Faudrait brûler ce côté-là, là. Ça, on n'a pas vraiment besoin. Pour nous, non, ça va. Alors, le site de fouille. Ce qui semblait être une carrière s'avère être un site archéologique d'Ombus, rempli d'os pétrifiés d'un de ces géants. Endroit idéal pour récupérer des ressources rares. On va faire attention, vu le mort est souvent synonyme de sport toxique. Restons à distance. On va faire ça. Un ouvrier a été empoisonné. Mais ça va, on gère. Ça vaut le coup. Nickel. Cuisine, donc soupe de betterave. Ok, faut qu'on lui donne à bouffer. Faut qu'on le soigne aussi. Ça y est, on a des connaissances. Donc, à la limite, on peut tester les tomates. Pépinière, ce serait pour le bois, pour refaire. Ouais, mais en fait, il faudrait pépinière et il faudrait garde forestier. C'est long, en fait. Alors, la fonderie de fer, ça serait vachement intéressant de l'avoir aussi. Le problème, c'est que... Ben là, si je prends un truc à 5, il va falloir faire un choix. J'ai que 7. La tour d'observation peut être intéressante. Je l'ai jamais faite. Ça. Je dirais on tente les tomates. On a récupéré ça maintenant, c'est pour la décoration.
Nourriture, c'est bon. Nourriture, ça va. Ça gère. Là, on a ça à faire aussi. L'eau, ça va. Constructeur. Est-ce qu'on a besoin de constructeur? On va faire des collectes d'eau automatiques, même si ça pompe un peu notre... notre réserve de connaissances, c'est pas grave. On a besoin de gens en fait. Allez les constructeurs, on y va, on y va, on y va, on y va. Oups. Alors, dans les profondeurs, un groupe descend dans le puits de mine et se trouve dans un gigantesque bâtiment industriel. Il se trouve que vieille pièce d'armure rouillée qui semble avoir appartenu à d'énormes créatures comme ont bu éparpillées dans la pièce. Ils doivent être, ça doit être les restes des temples anciens, trouvant une utilité à ces vieilles pièces rouillées, ou alors ces pièces rouillées n'ont aucune valeur. Ouais, on va prendre le risque. 30 de fer, nickel. On a besoin en plus de fer. Ça tue. Je peux faire des... Putain, ça tue. Grenier. On peut faire un grenier en plein milieu. Ouais. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. L'autre est toujours en train de s'amuser. Ouais, il est toujours en train de s'amuser. On va le détruire celui-là, parce qu'il est en train de se reproduire. Alors, t'as faim. Alors, où est-ce qu'on va? Donc, on a ça, pierre appétissante. Pierre ressemble au champignon favori de feu. S'il le mange, il risque d'être constipé. Bon, ça c'est pas le top. On va aller au sud. Ah, c'est de l'océan. Merde. Chier. Putain, ça aurait été pas mal l'océan. Bon, c'est pas grave. C'est pas mal. Les tomates, là, elles sont bientôt prêtes. Oh, les constructeurs, là. Bougez les fesses. S'il vous plaît. Merci. Ah oui, la dernière fois on était en train de faire ça. Potion de soie. Normalement on en a, ça y est. Je crois. Ouais, on est, c'est bon, nickel. Très 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 bien. J'ai un peu peur des fois de manquer de médecins. Un peu les betteraves, ouais, les betteraves ça va. Ça... Ok, toi. Okay. Passer là, parce que les betteraves, je crois qu'on va en avoir plus. Ah merde. Chier. On va se le prendre. Si je le fais courir, il va. On va avoir un... Il faudrait qu'on se pose en plein milieu en fait. Pas grave. Aïe, 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 aïe. C'est pas grave. Ah oui, maintenant on peut faire des choses comme ça. Je dirais que production de bâtiment c'est une ressource d'entrée, mais la vitesse de production est augmentée de 100%. Si les tomates en fait poussent extrêmement vite, ça va pas être un problème. Si par contre c'est un truc qui est lent à faire, ça va être un problème. Parce qu'en fait on va jamais en crafter. Parce que là, attendez, ma logique ça serait, si ça pousse vite, on peut se permettre d'en utiliser un de plus.
Et du coup, on va faire plus de nourriture au final. Si par contre c'est lent, à la limite on peut faire étagère à épices. Parce que du coup, on en produit plus et avec moins parce que du coup c'est lent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que les deux peuvent être utiles, ça dépend de ce qu'on fait pousser en fait. De toute façon, on n'a que deux de... Alors, on va faire d'abord ça. Ah, attends. Alors, devrions suivre la mélodie et voir où ça nous mène. Cet endroit n'est pas ordinaire. Je vais voir au-delà. Les explorateurs avancent prudemment jusqu'à ce qu'une mélodie joyeuse... Ouais, on peut aller voir la mélodie. On va se faire tuer. Ah non. En écoutant la musique de l'instrument avant, vos explorateurs s'enfoncent de plus en plus loin dans la forêt et finissent par se perdre. Heureusement, ils arrivent peu après à un grand arbre avec un cadeau à son pied. Je vais être honnête, je trouve que les choses sont très très sympas la plupart du temps. C'est rare de... Enfin, après, au pire, de toute façon, c'est perdre des gens. Si vous perdez des gens au début, j'avoue que ça va vous poser problème. Mais une fois que vous êtes lancé dans le jeu, vraiment un problème. Une fois qu'on est sorti de ça, on va lui dire de s'arrêter. Alors du coup, on peut faire des tomates maintenant. Ah, les tomates, c'est là. C'est un peu la même. Bon, ça sera bête. On va lui dire de s'arrêter, de dormir. Enfin, on peut lui dire que de s'allonger pour le moment. On n'a pas l'ordre de dormir. C'est important. Alors attendez, je crois que je voulais faire des choses, mais je me rappelle plus comment. Ah oui, il y a ça qui a été détruit. Il y a d'autres choses qui ont été détruites ou pas? Comme ça, normalement, on voit un peu mieux. Parce que des fois, il y a beaucoup de... Beaucoup de choses à l'écran. Lui, il est toujours en train de brûler. Ça va, c'est cool. Ça, c'est quoi? C'est un grenier. C'est sympa. Grenier fini, nickel. Je voudrais bien qu'il dorme, en fait. Celui-ci, on n'est pas si mal. Qu'il dorme et après, on le fait courir. Ouais, c'est bon, il va dormir. Faut voir la nourriture. Nickel. Un seul, ça suffit, parce qu'ils en récupèrent pas vraiment énormément, des bébés. Après, ces deux-là, honnêtement, on pourrait les virer. Ça fait quand même 4 personnes qui sont prises. Donc... Ouais. Bon, normalement, il n'y a pas d'empoisonné. Je crois que j'en ai vu un, mais je crois qu'il est fini. Il n'est plus empoisonné. Ça, c'est con que ça se développe sur... Putain, l'eau, quoi. Ça se développe sur la route, c'est ça que je voulais dire. Ah oui, mais on a 9. Attends. Alors maintenant on a 9. Ça change la donne. Ordre de dormir. Ordre de dormir, ça peut être utile. Parce que là en fait, jouer en vétéran c'est difficile. Mais jouer en vétéran normal, du coup vous avez moins besoin de gérer en fait le fait de manger, de dormir. Donc du coup ça se passe pas si mal. Mais là en fait il faut lui donner des ordres précis. Parce que on va devoir des fois courir et tout ça, il se fatigue beaucoup plus vite et tout. Donc il faut vraiment être précis dans les ordres qu'on donne. Stockage point. Ok. Empoisonné.
qu'on a beaucoup d'empoisonnés ou... Ou ça va? Je crois qu'on a trop de gens. Ça risque d'être un problème si jamais on les soigne pas... Si on n'a pas assez de médecins, en fait. Parce que tout le monde va être empoisonné petit à petit, ça risque d'être un très très gros problème. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va faire en sorte qu'il y ait moins de gens qui travaillent. Ouais, là, là c'est un problème en fait. Non, on va faire ça. Il faut vraiment gérer ce problème là. Mais bon, petit à petit ça ira mieux. Ok. On est bien, on est bien, on est bien. Transport pour mettre un peu plus de... de sens dans tout ça. Ok, de la nourriture qui est faite. Est-ce qu'on peut faire des champignons de soins? Toi, tu fais quoi, toi? Pharmacie. On a 140 plantes. C'est pas énorme. Les plantes, j'ai du mal à les faire. Je sais pas pourquoi. Peut-être faudrait de l'engrais. Compost. J'en ai ou pas? J'en ai pas. Vu que je l'utilise pour faire du gaz. Là, on a du fumier. Ouais, ouais, j'utilise le fumier, en fait, pour faire du biogaz. Mais bon, le biogaz, c'est super important. Et j'en ai vraiment peu, donc autant... Ouais, il y a beaucoup de gens qui sont empoisonnés. Il y a beaucoup de gens. En arrivant sur place, vous trouvez une vieille machine à tailler la pierre. Yes! Let's go. Dalle de pierre, yes. On a arrêté de travailler ici. Ok, mange. Attends. Oh putain. On est dedans. Ah, on va être dedans. Je peux pas lui dire de s'arrêter. Je crois qu'il est trop tard. Ok, go, 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 go. Tiens, t'auras à manger. Si tu cours, t'auras à manger. Tu cours, là? Tu cours. Let's go, let's go, let's go. Il y aura plein de pluie. Ah non, c'est une vague de froid, pardon. Fatigue. Let's go! Très bien, je t'adore. Marché. Et on te nourrit. Cadeau. T'as bien, t'as va. T'es une bonne bestiole. On va faire antidote aussi. Je peux le soigner, non? Oui, on peut le soigner. C'est combien? 20 points? 20%? Ouais, on va le soigner après. Alors... Est-ce que ça s'améliore? Alors ça, faire gaffe, parce qu'il faut le désactiver en fait. Ça va prendre de la bile automatiquement à chaque fois qu'il a des battements de cœur. Donc du coup, il faut le désactiver. Si jamais on veut pas prendre de la bile en fait à chaque fois. Recherche d'ordre de dormir effectué, très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait lui apprendre? Ordre de manger. Ordre de manger, c'est pas mal hein, aussi. Ouais. Comme ça, on a beaucoup plus de contrôle sur lui. Bien. Pardon, je suis en train de faire avec la souris, mais en fait c'est pas le... avec la molette, mais c'est pas vraiment... On va le soigner. Ok, nourriture. On est au 135. C'est pas une... Honnêtement, la nourriture ça va, mais c'est pas le top. Là on a trop de blé. On en fait encore 3 fois trop.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, les augmentations. Alors, qu'est-ce qu'on a en augmentation? On a débloqué... plus 1 de ressources, mais la vitesse de production est augmentée. Donc ça, on prend pour celle-là. Celle-là, non. Alors, on a 6 ouvriers polyvalents. Ok, maintenant, on en a... On devrait en avoir moins. On peut prendre plus de... Je suis en train de réfléchir, en fait, sur optimiser un peu le truc. Donc là, on va faire un peu plus de nourriture. Il nous faudrait plus de gens, en fait, qui travaillent dans cette ferme-là. Ici, le blé, on n'en a pas besoin, on a pas besoin d'en faire autant, parce qu'encore une fois, on en fait trop. Ouais, on en fait nettement trop. Il faudrait limite un troisième moulin. Limite un troisième moulin. Donc ça ira. Non, ce serait débile de faire un troisième moulin. Enfin, de boulangerie, pardon. Boulangerie. Ouais, il faudrait plus de boulangerie. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est... moins vite la farine. Faire moins ouais, faire la farine moins vite, peut-être. Peut-être que ça va être utile. Bon, eux, on les a loupés, c'est pas grave. Je sais que des fois, il y a des gens qui font pas de travail, mais... On va dire qu'une fois qu'ils ont atteint le taux pour faire de la une nourriture ou des trucs, bah ils le font quoi. Par contre, je vais peut-être mettre plus de gens à brûler, comme ça qu'on aille un peu plus vite. Ok, l'eau ça va, ils sont en train de ranger l'eau et tout, ça c'est bien, je pense. Je pense que l'eau on est bon. Il nous faudrait des informations sur est-ce que on produit plus que ce qu'on utilise. On a ça avec la nourriture, mais on n'a pas ça avec l'eau par exemple. Je crois. Ça c'est quoi, vague de froid? Ouais. Alors, des colons. Ça marche, venez. 4 de plus. On peut mettre quelques décorations, ça va les aider, je crois. Donc ça c'est... honnêtement les décorations, je suis pas trop fan de comment ça fonctionne, parce que ça prend une place en fait de route. Donc en gros, faudrait jamais faire ce que je fais là par exemple. Faudrait toujours mettre un espace si on veut mettre des décorations un peu partout. Mais bon. Donc de quoi on a plus? On a beaucoup de pierres. Il faudrait des décorations de pierres. De toute façon, je crois que c'est pareil. Hein. Valeur 1, valeur 1. Ouais. Je crois que ouais, il faudrait le mettre aux maisons, en fait. Ouais, je suis pas super fan de comment ça fonctionne en fait. Je vais attendre d'avoir des meilleures décorations. J'en mets un peu partout, puis basta. Oh, 282. Est-ce que ça fait qu'augmenter? Ouais, ça va, ça fait qu'augmenter. Ok, fais voir un peu. Donc, les logements, il en faut plus.
Extracteur. Après, on peut faire des grandes maisons plutôt. Mais je les ai pas encore débloquées. Alors, la fête des moissons. Ah, j'ai pas assez de baies, j'ai pas de fumier. Leur dire que vous ne les aiderez pas. Est-ce qu'on peut avoir assez de baies? Bah, le problème, c'est qu'ils les bouffent, en fait. Donc, je crois pas que ça puisse marcher. La décoration. Non, il me faut 5 de connaissances. Ça, j'ai jamais fait, ça. Là, plus de lance-flammes. Ça, c'est pas mal, honnêtement. Donc, je crois qu'on en a 9 en tout. Parce que c'est 5. Ouais, 5 plus 3. Non, c'est 8 du coup. Et ça, c'est pas mal d'en avoir plein comme ça qui se baladent et qui brûlent tout. Mais bon, on n'a pas vraiment besoin, mais c'est pour dire. Je pense qu'on va prendre étagère. Ah oui, non, on avait dit qu'on voulait ça d'abord. Oui, c'est quand même vachement utile. Bon, du coup, je crois pas que j'aurai assez de B. Hein. Il ne produit pas assez de B. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu t'es couché là. Ça, c'est quoi? C'est un désert. Ça, c'est quoi? C'est un marécage. On va aller au nord. Ouais. Au revoir. Bonne chance. C'est bête, c'est bête, c'est bête. Ok, ça va un peu plus vite. Alors là, on va plus vite. Là, on est en train de faire ça, ça marche. Bon, j'ai l'impression que ça se passe bien. Je sais pas pourquoi j'ai fait une maison là, en fait, ça sert à rien, c'est pas grave. J'ai mis les maisons là parce qu'il y a ça en fait, il y a le composteur. Okay, 7. 5. Ouais, il me faut plus de... Ok, ça va, il est en train d'en faire. Ça c'est... Non, il y a de la farine, ça va. On est en train de... Ouais, on fait trop de farine comme d'habitude. Pourtant on a réduit le taux. Hein. On a apparemment trop de gens aussi qui travaillent là-dessus. Deux, ça suffit largement. Et ça, on va pouvoir augmenter. Les médecins, on va les garder les trois. Parce que là, on a trop de gens, en fait. On a nettement trop de gens. Donc, s'il y en a un, quelques-uns, en fait, qui commencent à être malades, jamais on va pouvoir endiguer, en fait, la propagation. Parce que... Ils mettent trop de temps à les soigner. Ok, on va te nourrir, on va te soigner. Ok, très bien. Je sais pas ce que c'est exactement ça. Ce biome là. Ah, j'aurais dû faire ça en premier. Ah, j'ai merdé. Alors, on est à 2. On peut faire le stand de restauration à la limite. Mais bon, on n'a pas vraiment les gens nécessaires pour des stands de restauration. Je ne sais pas trop quoi faire. On peut prendre le maïs. Alors ça, on va faire plus 3. Ah, mais on a autant d'ouvriers. Oui, bah oui, j'en ai enlevé plein en fait. Du coup, il y a beaucoup d'ouvriers qui servent, ils font plus rien en fait. Ça c'est bon. C'est quoi ça? Vous avez survécu à l'hostilité. Obu a parcouru 500 km à un niveau de vétéran difficulté. 5 sur 5 points d'hostilité. Vous avez battu vos précédents enregistrements de 0 points. La limite a été augmentée à 8. Ah, ça y est, on a fini? Du coup, j'ai débloqué les autres choses.
cool. Bah c'est cool. C'est cool. Ouais, l'eau ça marche bien, ouais. Ouais, l'eau c'est nickel. Parce que là, vu qu'on transporte et tout ça, il range l'eau au fur et à mesure que, c'est plein. Ah, la grande forêt toxique, ça c'est pas fun. La grande forêt toxique. Mon dieu, c'est méga lent. Aucun moyen. On va attendre que ça passe. Là, il va prendre un peu de toxicité parce que le sol, en fait. Ah, mais on a changé de biome. Ah, on est dans la jungle déjà. Putain, on est vraiment pas dedans. Je veux pas dire, mais c'est pas grave. 73 plantes, ça c'est dangereux. On va un peu arrêter de les utiliser, on va faire des champignons à la place. Okay, ça c'est très bien. Ça c'est fini. Un chemin obstrué. Vos explorateurs escaladent la dernière dune et voient apparaître devant eux une grande oasis d'eau fraîche. C'est un champ de cactus. Leur barre la route. Renonçons pas, il doit y avoir un moyen de l'atteindre. Mieux vaut pas prendre de risque, cherchons un autre moyen d'atteindre l'oasis. Si on peut pas atteindre l'eau, on peut récolter un peu de sable. Je dis pas non pour du sable, à la limite. L'oasis, à la limite, on s'en fout un peu. On a deux, on a six. Ah, on a plein d'eau. Ouais, d'accord, en fait. Ok, c'est bon, j'ai rien dit. Je pensais vraiment qu'on... Ouais, non, là, on a géré l'eau. Ah ouais, non, mais là, on a géré l'eau. Hein. Les réserves sont pleines. On a géré l'eau. Ouais, quand on met des transporteurs, ça change tout. Hein. Est-ce qu'on peut commencer à faire des tomates? Tomates. Ah! Voilà. Là, ça va être marrant. Ah, mais attends! Vous étiez mal fait, en fait. C'est pour ça qu'ils galèrent à avoir des baies. Parce que vous faisiez pas les betteraves. Merde. Ok, c'est bon. Vous faisiez pas les betteraves. Alors, ça va être une catastrophe. Alors, fais voir un peu ce qu'on peut faire d'autre. Là, j'ai mis plus de lance-flammes. Ça va, on a des bonnes récoltes. J'étais en train de faire des choses. C'est chiant à chaque fois de devoir vérifier combien on a de quoi là. J'avoue que c'est un peu relou. Ok, on est en train de faire ça. Maintenant, je voudrais du l'antipoison. Alors, ok, on va lui dire de courir. Grande forêt infestée de plantes toxiques. Augmente le niveau toxique, fait apparaître des plantes toxiques sur le dos d'ondule. C'est parti, let's go, let's go.
on reste pas dedans. Bien joué, bien joué. Hop, c'est parti. T'as géré, t'as géré. Ah, j'aurais pas dû te donner à manger, c'est pas grave. Ah, tu veux dormir ici? Ok, c'est pas super fun, mais c'est toxique. Mais bon, c'est pas grave, on va se débrouiller. On va se débrouiller. Alors. Ordre de manger, on l'a. Bon, ce que j'allais lui dire de manger, en fait. On va prendre les lance-flammes supplémentaires. Alors là, c'est un problème parce que beaucoup de toxicité, donc il y a des trucs qui apparaissent un peu partout. Donc les lance-flammes, ils vont être très très occupés. Pas énormément de biogaz. Donc on va prendre ça un peu. Donc à chaque battement de cœur, en fait, ça va récupérer de la bile. Ouais. Ça lui fait un peu de dégâts par contre. Tomates. Ah, on a un truc. Une batterie de canon. Les batailles de cette forteresse comportent des restes d'une grande batterie de canon. Ils ont l'air vieux et rouillés, mais certaines parties peuvent encore être utilisables. Examinons les canons, pour ne pas ignorer une trouvaille rare. Devrions les manipuler avec le plus grande prudence, car ces armes pourraient encore être dangereuses. Ouais, on va faire ça. Minerai de fer, 25. Prendre ça parce que on a besoin pour brûler là. On va arrêter. Faut pas trop lui faire mal non plus. Après on peut aussi arrêter d'avoir 4 personnes qui travaillent. Quoi, 10 personnes, donc ça veut dire qu'il y en a 5 qui travaillent pas vraiment. Ce qu'on peut faire, c'est aider à détruire les mauvaises plantes. On a du carburant. Ouais, voilà, on peut faire ça. Ça va les empoisonner, mais... Enfin, il y a une chance. Mais ça va, on a du soin. Ça va. Vas-y, mange. Ah, la jungle, c'est un peu la merde. Hein. Mais bon. La jungle, je crois qu'il y a des bonnes récompenses. Genre, des fois, il y a des nomades, en fait, ils sont empoisonnés, mais les nomades, ils restent sur la route. Ils font pas des va-et-vient. 4. Ils font pas de va-et-vient, donc on est sûr de les récupérer. Ça, c'est une bonne chose. C'est la différence, en fait. Alors avec 4. Ferme aquatique. Il faudrait de l'eau de mer. Ferme aquatique, ça peut être utile pour faire des algues. À la limite. Faudra juste récupérer de l'eau de mer. Alors
ça, on va plus l'utiliser. Enfin, quoi que ce soit, si on a besoin de ça, évidemment. Je pense qu'on va, faire deux herboristes parce que là, en fait, ça devient un peu critique. Ça devient légèrement critique, en fait. J'arrive pas à faire assez de d'herbes. Et à chaque fois qu'on les utilise un peu trop, ça descend très vite. Ça, on est bon. On va faire plus de lance-flammes. On va pas... Je pense pas qu'on va passer par là. Après, c'est pas trop grave hein, de passer par la grande forêt toxique. Hein. C'est maintenant, on sait gérer, mais ça nous fait épuiser en fait nos stocks. C'est pour ça qu'on va, on a besoin de deux là. Sinon c'est la galère. Alors un truc qui aurait pu vraiment être bien, c'est que quand vous mettez deux trucs comme ça, ça partage en fait les parcelles. Parce qu'en fait ça le fait pas, ça partage pas les parcelles. Donc ça c'est un peu con. Mais après, je peux les changer. On voit que il y a des parcelles qui sont pas utilisées, donc on peut faire ça. Une plante médicale. Théorie, ça devrait doubler notre rendement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ah, océan. Alors, un bref répit. Sur leur chemin, à travers la forêt empoisonnée, votre pillard découvre une petite zone d'air pur. Cela ressemble à un bon endroit. Non, on va pas se laisser distraire. Alors, pillard ne s'écarte pas de leurs tâches, et en raison des conditions favorables, ils parviennent même à ramener plus qu'ils ne l'espéraient. Donc, du bois et des plantes. Nickel, c'est juste ce qu'il nous faut. Ouais, on va faire nord. Que ça, c'est l'océan, ça. C'est bon, le niveau de... On a plus trop de... lance-flamme. Ça, c'est bon. On a encore beaucoup de gens qui travaillent ou pas hein? On est à 10-10. Nickel. Oh là là, c'est quoi ces merdes? J'avais pas vu. Fire-moi ça. Ça va. Soupe de betterave, ok, il y en a plus. Nickel. Maintenant, on passe à la tomate grillée. Tomate grillée, ça marche. On a beaucoup de tomates. Oui, on a beaucoup de tomates. C'est tout. Par contre, mais ça pousse trop vite, en fait, les tomates. C'est débile, quoi. On n'a pas le temps de... Ouais, je sais pas si c'est une bonne chose, en fait, si c'est bien fait. Dans le sens où on n'arrive jamais vraiment à avoir des bonnes parcelles entières. Alors, toi, tu vas t'arrêter. Ah, mais le sol, il est empoisonné. Ouais, non, mais c'est bon, on va continuer, là. Si on se met par terre, ça va être pire. Donc, autant prendre le nuage. C'est pas grave. Parce que lui, il va prendre extrêmement cher s'il reste par terre. Là, ça va, on a encore 37. Nuage toxique, c'est pas trop grave. Il reste pas beaucoup dedans.
Ça va, je voudrais pas le fatiguer parce que on a un océan en fait. À la limite, faudrait qu'il se repose une fois qu'il est sorti. Ok, tu... Ouais, mais non, mais si on se repose là, ça va être la merde. Ouais, là on tombe sur des problèmes. Va falloir qu'il continue à avancer. Ouais, on a plus de... d'antidote. Bon, les plantes, ça va un peu mieux. Bon, on est de retour dans l'eau. Attends, on a 6 de connaissances. On va faire le... Écoute les orbes. Ça le blesse. Et du coup, il l'écoutera à 100%. C'est pas vraiment le top. Donc il file la nourriture. J'ai pas trop... Augmente la vitesse de gestion de l'huile, de faire plus souvent, on dépensera plus d'énergie. Diminue la vitesse de digestion. Du coup, il a moins faim, c'est ça? Ça peut être intéressant, ça, en fait. Champignons qui ont besoin de sel pour pousser, il devient rocheux lorsqu'il est cultivé, peut être récolté pour la pierre. Peut-être tester ça. J'ai jamais testé en fait, donc je dirais pas non. Après, je voudrais bien économiser pour la tour d'observation, peut-être. Ce serait vraiment utile. Donc, il nous en faudrait 10. Non, on va apprendre des trucs qui n'ont pas besoin de connaissances. Oh, il va s'endormir là, sur l'île empoisonnée. Oh là 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 là. La galère! Le truc qu'on va devoir faire aussi, c'est ça. Je crois qu'on va faire un deuxième en fait. Genre juste là. Lui s'occupera du bas, lui s'occupera du haut, lui s'occupera du bas. Voilà, on a récupéré des algues, ça c'est bien. Avec les algues. Je crois qu'on va faire des antitoxines parce qu'on va être, léger dans les antitoxines. On n'a plus que un. Ouh là là! C'est compliqué hein, de gérer tout ce monde. Hein. Un peu compliqué. Qu'est-ce que vous faites là? Tailleur de pierre, qu'est-ce qui se passe? Centré sur tailleur de pierre. Ah! Stockage plein, ça marche. Ouais, il va dormir là-dedans. Ah, c'est la merde, hein. Ça me rend fou, ce jeu. Mais c'est tellement fun. Ah oui, aussi, je suis dans l'eau. Oh là 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 là. Je meurs trop vite. Ouais, on est dans l'eau.
Donc go pêcher, go récupérer de l'eau. Ah, ça va nous aider, je crois. Solution temporaire. Alors, je crois que la traduction, elle est mauvaise. Une grande partie de spores toxiques qui dérivent à la surface, qui peuvent empoisonner ondu. Donc, je crois qu'en fait, c'est bénéfique, si je dis pas de bêtises. C'est plus bénéfique, en fait. Ça va enlever les spores, je crois. Bon, là, il va devoir dormir, mais bon, c'est pas grave. Le problème, c'est qu'on voit rien sur l'écran. Alors, on est à 5 transporteurs. Attends. Non, du coup, on va rien prendre pour le moment. On va faire ça. Hop. Alors, après, on peut faire poisson ou algue. Alors, poisson, c'est bien pour de la nourriture. Les algues, c'est bien pour le médical. Donc je crois qu'on va faire plus les algues. Ah, je suis quasiment certain que ça... Ça nettoie, en fait. Ah, je sais pas, j'ai un doute maintenant. J'ai un doute. La ferme aquatique. Ah putain, je vois rien du tout quoi. Voilà. Voir un peu notre réserve de bois et tout ça. Ouais, il faut du bois. Attends, on n'a pas perdu une réserve là. Je suis en train de travailler. Oi oi oi, ça va être le bordel. On peut ralentir un peu. On va essayer de gérer un peu mieux ça, et puis après on s'arrête. Alors. Ça, c'est pas fini. C'est du bois. Bon, on va le laisser se reposer au maximum, de toute façon. Ferme aquatique finie. Pour le moment, on n'a pas besoin. Les tomates, ça a l'air de fonctionner. On n'a plus d'antidote, c'est un problème. Alors, cela ressemble à un bon endroit pour prendre une bonne respiration, ne laissez pas distraire. Du bois et des plantes. On n'a plus que 20 plantes médicales. C'est catastrophe. Petite toxine, très bien. Ça, on peut le finir ou pas, hein, s'il vous plaît? Ouais, mais c'est que j'avais plus de bois en fait. C'est limite, hein. C'est vrai qu'on en a fait deux, hein. Là, j'avoue que c'est un peu compliqué. Je crois que les... Ouais, parce que ça, c'est un grenier. Il nous faut des endroits pour stocker, en fait. Ouais, il nous faut des entrepôts. J'ai pas fait d'entrepôt. Alors... Alors, où est-ce qu'on va?
route. Fais voir un peu où on va. Là, je crois qu'il y a un changement. Je veux bien rester dans l'eau encore un petit moment, en fait. On va aller au sud. Ok, la nourriture, c'est nickel. Voilà, entrepôt, c'est bon. Alors, des plantes médicinales, très bien. Pour ça que, ouais, les îles empoisonnées, c'est quand même vachement intéressant. On a de l'algue, on a de l'eau. Il y a combien de gens qui travaillent? Ok, constructeur 5. Ok, on a deux entrepôts, nickel. Ouh la vache. Ah, c'est pas fameux. Ça, on va virer. Toute cette partie-là sert à rien. Au final, les mecs, ils ont pas vraiment besoin de grand-chose hein, pour travailler. Apparemment, ça va tellement vite, les tomates. Là, c'est pareil. J'ai envie de dire que... Genre ça, ça suffit, quoi. Le but peut se reposer de manière efficace. Ah ok, nickel. Voilà, nickel. Il va dormir. Je crois qu'il va récupérer de la vie, je suis pas sûr. Alors, antidote. J'ai pas trop saisi... Je me rappelle jamais en fait comment il récupère de la vie. Quand il dort sur ces îles-là ou s'il faut faire autre chose. Non, très affamé. On devrait arrêter, ça va faire une heure. Alors, ce qu'on peut faire, c'est lui dire de s'allonger ici. S'il s'allonge, ça le soigne ou pas? Je pense pas. Hein. Après, nous, est-ce qu'on récupère... Je crois qu'on est considéré toujours dans l'eau, mais c'est moins efficace. Ouais, c'est juste moins efficace, en fait. On Non. Pardon, je regarde. Ouais, 50% de vitesse de production au lieu de 100%. Ça va, on a des algues. On a plein de farine encore. Ah. Ah, ça y est, j'ai mon... Non, connaissance 6, c'est que ça. Alors, on va s'arrêter là. Faut que je gère un peu mieux ma ville. 70 personnes. La nourriture... C'est bon, on a plein de réserves. Population totale, logement, on est bon. Donc là, on fait pas assez de pain pour trop de farine. On fait trop de farine, comme d'habitude. On en a deux qui travaillent. Est-ce qu'on peut en fermer une? En fait, le truc, c'est que là, ils travaillent en même temps. C'est ça, en fait. C'est pour ça que ça marche super bien. Le pain, on est toujours à deux, ça va plus vite. Il faudra une troisième, à la limite, je dirais. Limite une troisième. Est-ce qu'on a suffisamment de gens? Pas vraiment. Ok, on a des entrepôts, on a le grenier. Les baies. Les baies, je crois que ça sert un peu à rien à les récolter. Donc on pourrait mettre les gens autre part. Eux, ils ont plus de feu.
pas de place pour planter. Comment ça? Ah, ok, j'avais... Merde, pardon, c'est ma faute. Donc, moyen d'arriver, regardons autour de vous. Nickel! Connaissance. Bon, ben voilà, c'est parfait, on va pouvoir s'arrêter là. On va repartir sur ça. Ok, par contre, il manque du monde. Je pense qu'on va arrêter les baies, c'est plus vraiment intéressant. Ça, ça prend beaucoup de gens, 71%. Voilà, on va juste arrêter. Alors après, c'est bien pour l'échange. Je suis d'accord, mais... voilà. Par contre, il nous faudrait... Ah oui, on n'a pas le bâtiment pour faire du verre. Ouais, du coup, faire la recherche de ça, c'est pas vraiment très intéressant. Très intelligent, même. Ouais. Bah après, peut-être qu'on en trouvera du verre, à la limite. J'en sais rien. C'est super rare, quand même. Hein. Ouais, non, c'est peut-être pas... Non, peut-être pas super intelligent. Mais je crois que j'ai... Je crois que c'est mort, en fait. Parce que j'ai balancé ma connaissance dedans. C'est pas grave. On fera ça, là. Ça nous donne le temps de récupérer de la connaissance. Bon, les tomates, ça marche. Même les tomates, ça va pas assez vite. Même les tomates. À la limite, on peut faire des tomates ici aussi. Bon, j'avais dit qu'on s'arrêtait. Il est trop bien, je veux, ça me rend fou. J'adore ce jeu. Il est tellement simple et tout ça, et c'est super fun de se balader. Bon, résultat des courses. On a 4 antitoxines, 1 soin, 8 nourritures, c'est très bien. Là, on fait des champignons pour soigner. Là, on fait des champignons pour manger. Là, on fait des plantes. Il nous en faudra encore un. Putain, c'est... ouais. Là, on a refait notre plein de bordel. La pierre, on en récolte ou pas? Si, si, on en récolte. Bon, bah ça va, ça progresse bien, là, la destruction. La destruction du... De la contamination, ça c'est cool. Ok. Bon, je crois que là, il y a beaucoup de gens qui travaillent, c'est très bien. Voilà, on va s'arrêter là. Bah, ça se passe bien. Encore une fois, on fait trop de farine et tout ça. Il nous faudrait encore plus de gens. Comme ça, on fait une autre boulangerie. Puis les tomates, ça pousse trop vite aussi. On les utilise. Même ça, là, c'est pas assez rapide. Honnêtement. C'est un peu abusé, je trouve. Les algues. On en a 75. Ah oui, maintenant, je peux faire peut-être des trucs avec les algues. Ouais. On peut faire ça. Ça, ça va être nettement mieux. Ça va être nettement mieux. Et là, avec les algues... Ah merde, je suis déjà en train de construire ça. Attends, on va finir ça. C'est bon. Il n'y a que ça que je peux faire avec les algues. Bon, ça, c'est pas mal, parce que c'est à peine 10 plantes et 10 algues. Donc, faire des algues, c'est vachement bien. Par contre, je veux bien détruire ça, là. Pardon. Ouais, ces merdes-là, là.
va faire polyvalent. Ouais, ça, ça marche bien. Les algues, ça fonctionne bien. L'eau de mer aussi. L'eau de mer, on va pas la bouillir. On la bouille seulement si on a besoin de sel. Pour l'instant, on n'a pas besoin. Et ce qu'on fera, c'est ça. C'est donc, on peut faire poisson ou alors algues. Et honnêtement, algues, c'est pas mal. Le poisson, c'est bien pour la nourriture, comme j'ai dit. Mais les algues... Les algues, ça nous permettrait de... Ah, je l'ai mis trop près, quoi. C'est pas grave. Les algues, ça nous permettrait, du coup, de... Je vais y arriver. Hein. Je vais y arriver. Bah, de produire des algues, tout simplement. Voilà, c'est la production d'algues. J'étais en train de trop de me concentrer sur ça. Ouais. La production d'algues. Comme ça, on n'a pas besoin d'être dans l'eau, en fait. Mais c'est cool. C'est vrai que de rester ici, en fait, c'est pas mal. L'océan, c'est vachement utile. C'est juste que le problème, en fait, c'est que l'océan, c'est à double tranchant. Il y a des trucs super rares et super utiles comme les algues. Ça, c'est énorme. Le fait de pouvoir récupérer un deuxième type d'eau, donc c'est l'eau salée. Donc ça, c'est vraiment sympa aussi. Mais du coup, il peut pas se reposer où il veut. Il faut des îles. Et si jamais il est complètement épuisé et qu'il n'a pas d'île, il va perdre en santé. Donc ça, c'est le gros danger, en fait. La seule chose que je vois mal finir, là... Ça serait les plantes. Champignons, on en a peut-être même pas assez encore. On en fait peut-être pas assez. Bon, maintenant, on en a deux, donc ça devrait quand même passer, j'espère. Voilà, là, c'est bien. Mais ouais, non, ça, on en fait limite pas encore assez. C'est un peu abusé. C'est un peu incroyable. Voilà. Non. Des fois, j'ai le jeu qui freeze un peu comme ça. Ouais, on va devoir faire un peu plus de ça, là. Un peu plus de plantes. Je crois que c'est vraiment les plantes qui nous manquent. Là, c'est le seul truc qui pêche un peu. La nourriture, ça va. C'est 20... C'est 20%, on en a 8. Maintenant, on va faire celle-là, avec les algues. Donc ça va être 60% pour le même nombre de champignons. On a déjà une 70 algues de... Algues d'avance. Ça marche nickel. Ouais, là on est bon, là on est nickel. Faudrait peut-être encore un peu plus de personnes, de personnel et c'est bon. La nourriture, on a plein de réserves, donc ça va. Si jamais on a un coup dur, on peut tenir. Il nous en faut encore plus. Ce qu'on peut faire, c'est... Encore un de ça. Et ce qu'on va faire aussi, quand on aura fini tout ce bordel là, ce serait... Alors les petites maisons, pourquoi pas, mais le stand de restauration. Mais stand de restauration... C'est vachement bien parce que ça permet d'avoir de la nourriture, genre par exemple ici, donc la personne elle peut faire des allers-retours ici, ou alors ici. On peut mettre de la nourriture un peu partout en fait dans le périmètre, mais ça demande une personne qui s'en occupe. Ça c'est le problème. C'est le problème du truc. Ok, on va sauvegarder. Je vais voir une seconde. Hop. Et je voudrais juste voir ce qu'on a débloqué. Parce qu'en fait, j'ai débloqué, je crois, du coup, le système le plus élevé. 5. Ah, ok, maintenant, je peux aller à 8. D'accord. Je pense... Est-ce qu'il faut faire 8 pour aller plus haut ou pas? Ou alors, je peux continuer. Je sais pas, on continuera, on essaiera de finir le jeu. De toute façon, c'est 100 jours, on est quasiment à la fin, on est à 70, je crois. Donc, à la limite, encore 2 vidéos et on a fini. En tout cas, c'est cool. Oh, j'adore. Merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine. Ciao, ciao.